Dehors la bataille fait rage, le mal est déchaîné. Pour perdre les âmes, les jours sont comptés. Oh, mais n'ayons crainte de Dieu dans son éternité. Connaissez l'humanité, savez qu'elle pécherait. Alors il a créé le prodige des prodiges, une âme immaculée qui ne serait pas touchée par la faute originelle qui nous fit tout perdre. Le don de la Trinité, sa divine volonté. Toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère co-rédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix par le triomphe de ton cœur immaculé. Conduis-nous vers le Christ, notre la charité, le refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Elle est plus puissante qu'une armée rangée en bataille et nous délivrera du mal qui nous assaille. Tant de fois elle nous est apparue, prouvant sa maternité pour nous parler, nous enseigner, nous demandant de réciter chaque jour le chapelet. Oh oui, cette arme redoutable pour nous libérer, enchaîner le mal à jamais. Toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère co-rédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix par le triomphe de ton cœur immaculé. Conduis-nous vers le Christ, notre ou mendiant, qu'il se tourne sans peur vers cette céleste maman. Son cœur brûle d'amour pour toute l'humanité et son fils bien-aimé ne peut rien lui refuser. Pour elle-même, elle ne veut rien, elle désire ramener tous ses enfants à Jésus, le vrai chemin. Et mon cette mère, donnée par Dieu au pied du calvaire, désirons qu'elle règne dans les cœurs, c'est là le désir du Seigneur. Toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère co-rédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras.